Elsa, viens, on fait en mode Fatman. Ok, Fatman, parce que d'habitude, je fais Tsar Bomba, mais j'arrive jamais à gagner. Viens, on fait Fatman. Donc viens, on essaye de gagner. Après, Tsar Bomba, on dit, on tente le challenge, quoi. Tu veux tenter le challenge ou quoi? Je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai jamais joué. Je prends pas cette décision, tu la prends. Choisis. Ok, on va faire en mode Fatman. Commencez. C'est parti. Oh merde, attends, tu veux contrôler ou pas? Non, tu contrôles. Tu veux récupérer les trucs? Non, je sais pas faire. Ok, d'accord. Je stresse. Ok, Lilo. Ok, c'est parti. Dolores. Lampe torche. Je prends un harmonica. L'harmonica, ça peut servir. Oui, mais je peux pas, il faut que je dépose. Ah oui, c'est vrai. Il y a de la soupe juste derrière. Attends, il y a la valise juste là. Il y a Timmy. Timmy, c'est important. Des soupes. Mais la radio et tout, t'as retenu à ZT ou pas? Dans le salon, c'était. La hache, ouais. Le livre. Le livre. Le livre, bien vu. Elle rentre pas. Le jeu de cartes. Vas-y. Elle rentre pas, t'as dit. Non, attends, on va quand même prendre Mary Jane. Mary Jane, quand même, c'est important. Une bouteille d'eau au passage ou une soupe? Une petite soupe. Par contre, on n'a pas d'eau là. Non, on n'a pas d'eau, c'est ce que je t'ai dit. Il est où le masque à gaz et tout? Attends. Attends, kit médical. Le kit. Insecticide, de l'eau. T'as vu la radio? Oui, la radio okay. Est là-bas. On va prendre le masque à gaz et la radio. Vas-y, la radio, tout au fond, cours. Elle est là. Masque à gaz, elle est où la radio? Elle est là. Il y a un cadenas. Un cadenas, prends le cadenas. Une bouteille d'eau. Bouteille d'eau. Oh, sa mère. Vite. Ouh. On a eu chaud. Elsa, check. On est des boss. Jour 1, attention. 3 bouteilles d'eau, 3 bouteilles. Et on a 4 soupes. Mais attends, mais. Mais on est trop bien. On a le flingue. On n'a pas pris le flingue. Mais on a tous les objets, Elsa. Tu sais qu'il nous manque que les munitions et on a tout. Mais what the fuck. Mais attends, mais on est trop bien. Nous ne souvenons pas avoir emporté ces provisions dans l'abri, mais on ne va pas se plaindre. Il aurait fallu faire un inventaire, on n'oubliera pas la prochaine fois. Ah, c'est juste qu'ils nous ont fait. Il y avait le flingue dans le fusil. Ouais, dans l'abri. Mais attends, incroyable. Il y avait le flingue dans le fusil, j'ai dit. Tu sais que c'est la première fois que ça me le fait, ça. Ah, c'est parce qu'on n'est pas en mode ça. Bomba. Oui, c'est pour ça. Mais en fait, Tsar Bomba, ça veut dire c'est vraiment hardcore. C'est le pire truc. Non, mais parce que là, tu sais qu'on a vraiment, on a quasi tout. Oui, on est bien. L'un d'entre nous a dû cacher ceci dans cette valise. Ah, mais il y avait un truc. Ah, non, c'est la carte. On avait oublié la carte normalement. Ah, mais... putain, ils nous ont donné la carte. C'est parti. Elsa, début d'aventure. On envoie qui? Moi, je dis on envoie Timmy. Ouais, je suis d'accord. Timmy, il était trop chaud. Serre-moi la pince. On envoie Timmy. Timmy, je rêve où il est en pantoufle. Par contre, il aurait pas pu partir en basket. Au attends, c'est vrai. Il est en crocs, Timmy. Écoute, j'ai joué au moins plus de 15 heures à ce jeu et j'ai jamais remarqué qu'il était en pantoufle. On lui met la valise ou pas? Parce que la valise, il peut emporter plein de trucs. Mais après, il peut la casser. Non, je pense qu'on lui met que le masque. Ouais, puis en vrai, c'est le début. Ouais, non, on lui donne juste un masque. Voilà, juste un masque, c'est bien. Mais d'accord. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Putain, ils ont l'air de s'ennuyer. Ça, les gars, c'est approximativement moi quand je passe une journée avec Elsa. On dirait que Ted a déjà un pied. Bon, allez, faut leur donner. Oui, là, il faut leur donner à boire. Faut leur donner à boire. Hop. C'est fou à quelle vitesse une discussion peut tourner en conflit. Il faut dire que le confinement n'aide en rien. Croisons les doigts pour qu'on oublie rapidement cet épisode. Ah, ils se sont disputés. C'est fou à quelle vitesse une discussion peut tourner en conflit. C'est réel. Pourquoi tu m'as regardé comme ça? Oh, elle commence à être toute décoiffée, Mary Jane. Oh, Timmy, il a une sale tête. Ouais, j'avoue. Non, mais il est juste fatigué. En vrai, il est pas malade. Il nous a défoncé le masque à gaz. Oh, il a niqué le masque à gaz. Et il a ramené quoi? Attends, mais il a rien ramené là. Il a rien ramené du tout. Me dis pas qu'il a ramené qu'une boîte de soupe. Il a ramené une boîte de soupe. Ah, une bouteille d'eau. C'est tout? Timmy est affamé, Timmy est très fatigué. On lui donne à manger ou pas? Bah ouais, quand même, il a ramené. J'ai vu un truc dans le tuto, c'est si tu leur donnes pas assez à manger, ils vont tomber malades et vont avoir encore plus faim après derrière. Ah, ils peuvent tomber malades? Parce qu'ils mangent pas assez. Ils mangent pas. Ouais. Okay. Et en gros, et quand ils sont malades, ils ont plus faim et soif. Putain, je savais même pas ça. Bah, tu vois. Oh, les choses sérieuses commencent, Elsa. Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et commencer à obtenir des réponses. On utilise. On utilise la radio, ouais. Évidemment. Là, j'aime bien. Et en vrai, là, les gars, on est trop bien. On a la radio, personne qui est malade, la carte, la lampe torche. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives sont presque dissipées. Bon, allez, c'est bon, on part en expédition, là. Direct? Bah, il est beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Ouais, mais ok, vas-y. Un homme est passé aujourd'hui et nous a proposé de jouer notre stock de nourriture aux cartes. Qui lui crut la mise et de 2 boîtes de soupe? C'est qui tout double? On joue les 2 boîtes de soupe parce que moi, si on est franchement, mal, je suis chaud. Mais moi, je dis. Moi, je dis oui. Moi, je suis curieux. Moi, je dis, faut jouer. Il faut jouer, Elsa. On va jouer. Oh, on est des cracks aux cartes. Ouais, Elsa, elle est trop nulle. Faut jamais l'écouter. Hurrah, la chance nous a souri. Après, j'avoue, on a eu de la chance en vrai. Mary Jane, on l'envoie en expédition. On lui donne peut-être à manger. Ok. Comme ça, elle part, elle est bien. Et on l'envoie. Putain, par contre, on peut pas l'envoyer avec le masque à gaz. Mais ils disent qu'il y a plus trop de retombées, donc ça va. Est-ce qu'on l'enverrait pas, genre, qu'avec la valise? Apparemment, s'il part avec la valise, il ramène beaucoup plus de trucs. Et on lui donne pas un truc pour se défendre ou une lampe torche ou... Bah, jour 13, y a pas encore ou trop la carte de méchants. Ah non, la carte, faut pas la garder, genre, la si carte, jamais faut qu'on la garde de... pour la radio. Ok, vas-y, bah juste la valise. S'il y a bien une solution à cet enfer, elle doit venir de notre gouvernement.
Ceux qui le critiquent sont soit d'éternels insatisfaits, soit des communistes. On prend la radio. Bonne nouvelle. Le gouvernement vient de passer un message radio. Ils ont parlé de l'organisation du sauvetage des survivants dans notre zone et nous ont dit d'attendre encore un peu. J'ai jamais vu une game commencer aussi bien, Elsa. Non mais pour de vrai. Tout sera bientôt fini. Il est temps d'écouter la radio. Mais encore. Viens, on écoute. J'avoue, on l'écoute peut-être un peu trop. What? Hein? Une animatrice sympathique à la radio parlait d'un colis de ressources perdu lors d'un voyage de notre ville. Mais on est trop bien là. Mais attends, je rêve. Écouter la radio, c'était mieux que l'expédition de Timmy. Tellement. Mais c'est vrai. Oula, t'as dit. Il a une sacrée coupe de cheveux là. Bah alors, vous avez pas pris un ciseau? En vrai, on dirait presque la coupe de cheveux d'Elsa. C'est même pas si faux que ça parce qu'on dirait vraiment qu'il a une couette derrière. Quand un groupe de personnes habillées en vert est venu frapper à la porte en prétendant voler les riches pour donner aux pauvres, c'est mort. Vous y attendez pas. C'est mort, les gars. Là, on est trop riches, bordel. On est plus riches qu'Elon Musk. La vie de ma mère, il faut rien. Il faut pas les laisser entrer. On en rien. Mais là, tu sais qu'on les laisse entrer, ils prennent la moitié de notre bunker. Ah mais c'est sûr. Oh, oula. Oh, attends, Marie-Jeanne, elle a ramené ma truc. Non mais non. Si regarde, il y a 4 soupes, il y a 4 bouteilles d'eau. Je crois elle a ramené ma truc. Par contre, va falloir peut-être lui, il va falloir lui donner le kit. Elle est malade. Ah non, elle a trouvé qu'une soupe et 2 bouteilles d'eau. Ça va, on est bien. Ouais, mais elle aurait pu faire mieux quoi. Elle aurait pu faire mieux. Parce que là, qu'elle avait la valise. Il va falloir qu'on lui donne le kit. Tendance quoi, toi? Je le garderai pour les adultes, le kit. Déjà, t'as raison. Et en plus, genre, je donne le kit direct, par exemple. Mm-hmm. Sauf que, imagine, après, ils disent faut aller dehors pour répondre au téléphone. Mm-hmm. On envoie Mary Jane et elle retombe malade. Ah ouais. Alors que là, au moins, dès qu'il y a un truc où il risque d'être malade, on envoie Mary Jane et on s'en fout. Carrément, je suis d'accord. Ok, on fait ça. Donc pour l'instant, on garde le kit. Oh putain. Nous étions sur le point de nous coucher lorsque nous avons entendu frapper à la porte. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'un pic vert mutant, mais c'est bien pire. Il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte, il faut réagir. Soit on emploie la manière forte, on prend la hache ou le fusil. Mmh. Soit on la joue calme, on prend que le cadenas. Moi je dirais la hache, non? Direct? Je sais pas. Parce que moi je me dis on peut se faire des ennemis là. Ouais. Cadenas. Ah, ils disent cadenas les gens en plus. On est d'accord, moi je pense cadenas. Cadenas, vas-y cadenas. Là on la joue safe. Nous ne pensions pas qu'un simple cadenas serait suffisant, mais apparemment il a réussi à décourager des cambrioleurs. Donc apparemment c'était vraiment des cambrioleurs. Mmh. Et bah merde. Putain, jour 21, on se fait déjà attaquer. Mais attends, mais c'est abusé là. On envoie tête du coup? On l'envoie avec la valise ou pas? Il faut envoyer avec la lampe torche, sûr. Valise, lampe torche. Et après on a un jeu d'échecs. Moi, je suis chaud. Un jeu de dames. Est-ce que ça sert à quelque chose d'envoyer avec un truc comme ça? Non, un jeu de dames et un jeu de cartes. Et un jeu de cartes, pardon. Bah apparemment, il y a un mec qui a dit jeu de dames égale plus de nourriture. Ouais, jeu de dames. Viens, on tente. On tente? Viens, on le fait prendre la hache. On lui fait prendre la hache quand même? Au cas où, faut pas qu'il crève. Vas-y, Ted, on le met bien. Oh, Ted, il part en expédition là. Oh lolo 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 lolo. Hier, pendant la session de Rébus, nous avons découvert que Mary-Jane ne savait pas écrire anticonstitutionnellement, ce qui a profondément déçu Dolores. Elle insiste donc pour que Mary-Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique. Est-ce qu'on éduque Mary-Jane? Ça peut servir. Peut-être elle va apprendre à réparer des trucs, genre. Voilà. Elle va apprendre à réparer le masque à gaz. Allez, Mary-Jane, tu vas subir une éducation post-apocalyptique. C'est moi qui te le dis, même si tu risques de pas être contente. Jour 23. Let's go. Oh, la vie de ma mère, elle a réparé le masque à gaz. Je suis un génie. L'ambiance d'abri, c'est largement là. Hein. Bon, elle a réparé le masque à gaz. Incroyable. Tu me tues. Alors, comment tu dis? Si on ne soigne pas. Si on ne soigne pas Mary-Jane, qui sait ce qui se passera? Est-ce qu'elle risque de pas être contente? Non, ça va. Ça fait que 3 jours qu'elle est. Ah, est-ce qu'elle peut contaminer les autres? Ça, c'est une bonne question. Mais là, ça fait que 3 jours qu'elle est malade. Aujourd'hui, la musique s'est brusquement arrêtée à la radio pour laisser place à un message de l'armée. On allait sortir quand ils ont commencé à parler de plan d'évacuation. Le lieu exact nous a été donné sous la forme de coordonnées géographiques. Bah bien sûr, on utilise la carte, évidemment qu'on l'utilise. Oh, la carte va bien. Mary-Jane, elle a une sale tête. Eh. Mais c'est vrai, elle a une sale tête. Oui, c'est vrai. En un coup d'œil sur la carte, nous avons pu trouver le lieu en question et on y a laissé un message dans une bouteille. Oh, magnifique. Oh, un marchand d'apparence louche portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite. Il va nous donner un chat. Un chat? Tu veux un chat? Ouais, moi je suis chaud, on prend un chat. Après, est-ce qu'il va pas nous manger? Après, c'est un chat contre une boîte de soupe. Non, en vrai, à chaque fois que j'ai pris le chat, il m'a aidé. Ok. En vrai, c'est bénef. Ah, oh, il est trop choupi, en plus, il est tout roux. Ah oui, il est trop beau. Il s'appelle Charikov. Je savais, elle allait trop aimer le chat. Notre situation empire de jour en jour. On peut voir la faim et le désespoir dans nos yeux. Un professeur du quartier a sauvé quelques enfants lors de l'explosion. On sait qu'il reste des ressources dans l'abri de l'école. C'est nous qui avons aidé à les remplir. C'est comme s'ils étaient un peu à nous, non? On fait que de reprendre ce qui nous est dû. Oh non, ça veut dire on va aller voler des enfants. J'ai déjà fait ça une fois, Elsa. Et alors, j'ai eu énormément de bouffe, mais il y a un de mes persos qui est devenu fou. Surtout que, est-ce qu'on a vraiment besoin de bouffe? On est pas trop mal, sachant qu'il y a Tête qui va revenir.
Ouais, Ted va revenir en vrai. Les gars, on fait quoi? Est-ce qu'on envoie? Moi, je pense que c'est pas cool d'aller voler les enfants. Allez, on s'en bat les couilles, on est en situation de survie. Mais c'est des enfants! On est en situation de survie. Non! Envoie, c'est mieux. Mais non, c'est un qui revient fou. Elsa, le chat a dit oui. Let's go, à nous la bouffe! Oh là là, on amasse bouffe et personne n'est vous. On a trop bien fait. Oh! Plus 4 soupes. Le chat, vous êtes des cracks. De toute façon, on l'a dit. Dès qu'Elsa dit un truc, faut faire l'inverse. On a réussi à obtenir des ressources, mais étrangement, cela ne nous enchante pas tellement. N'en parlons plus. Jamais. Ok. Oula, attends, c'est quoi ces choix là? Pourquoi n'y a-t-il pas de ballon quand on en a besoin? On est fatigué de compter les gouttes qui tombent des canalisations. On a besoin de changement. Le flingue pour jouer. Mauvaise idée. La radio pour jouer. On va plus s'en servir pour l'armée. Le jeu de cartes. Attends, t'as dit qu'on devait prendre le jeu de cartes? Oui. Oh non, arrête. Les gars, faut qu'on change. Elsa a dit jeu de cartes. Moi, j'ai jeu de cartes. Il faut changer. Pas jeu de cartes, les gars. Venez, on joue avec le flingue. Non, ils vont se tuer entre eux. Ok, on joue avec le flingue. Elsa veut pas qu'on joue avec le flingue. Ça veut dire il faut jouer avec le fusil. Mais en plus, on est horrible parce qu'on a aidé des gens. Attends, regarde, si elle se... Oh. Si ça se trouve. Mais tout le monde va bien. Mais attends, mais what? Toute l'eau et toute la bouffe qu'on a. Regarde comment on a eu raison de jouer avec le flingue. Deux nouvelles soupes. Les gars, toujours faire l'inverse de ce que dit Elsa. Par contre, Ted est revenu malade. Ça fait chier. On lui donne le kit direct, je suis content. Ted est bien rentré de son expédition. Par contre, il a tout ramené. Il a rien cassé. Il a rien cassé, mais il a ramené quoi? 5 soupes de soupe. Mais wesh. 4 bouteilles d'eau. Ah, mais le jeu de dame. Il a ramené 5 soupes. C'est peut-être grâce au jeu de dame. C'est peut-être grâce au jeu de dame, du coup. On est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été suivi. Ah, là, ça veut dire que la prochaine fois qu'on sort en expédition, faut à tout prix partir avec une arme. Ah ouais? Ouais, parce que ça veut dire que ça va devenir dangereux dehors. Okay. Il semblerait que quelqu'un ait travaillé sur le véhicule en bas de la rue. On l'a un peu observé de loin. Qui pourrait bien être le propriétaire? Pour l'instant, on a gardé nos distances, mais ce serait bien qu'on aille jeter un coup d'œil de plus près à l'avenir. Ah, c'est bien, on peut partir en voiture. Ça pourrait bien être notre ticket de sortie. Attends, je veux juste voir, on a combien de bouffe? Six boîtes de soupe plus 8. On peut manger tous les jours, les gars. On va manger tous les jours. Carrément, à la fin, il y aura pas écrit Dolores a très envie de manger. Il y aura écrit Dolores ne veut surtout pas manger. Dolores est en train de grossir. On soigne Ted. Ah oui, on soigne Ted. Les gars, on est d'accord, on soigne Ted. Ted, il est allergique au chat. Je pense qu'on a bien fait. Oh, c'est vrai. Ted semble avoir développé une allergie à notre invité à poil. Il tousse et éternue toute la nuit. Ted, il est redevenu malade. Non, il est juste fatigué, mais j'avoue, il y a moyen qu'il devienne malade. Mais Ted, c'est le pire personnage. J'avoue, il casse les couilles. Mais après, il est juste allergique au chat, le pauvre. Bah oui, mais non. En essayant de caresser ce petit diable, nous avons trouvé un morceau de papier sur son collier avec une adresse. Ah, est-ce qu'on ramène le chat? On peut le ramener chez lui. Est-ce qu'ils vont nous donner quelque chose? Mais en vrai, il est allergique au chat, bien sûr, bah qu'on oui, ramène. Faut qu'on ramène. Ted, il est allergique au chat, bah c'est bon, on le ramène. Et s'il peut nous aider, j'avoue. Désolé, petit chat. Ouais, mais Ted, il va devenir malade, c'est pas bon. Oh non, il est plus là, le petit chat. Nous devons sacrifier quelqu'un pour partir en expédition. En vrai, Timmy, il a l'air d'être en forme. Timmy, après, justement, c'est cool qu'il soit en forme. Non, est-ce qu'on n'enverrait pas Mary Jane? Mary Jane, elle est malade. Elle est déjà malade. Après, sinon, on peut envoyer Timmy avec le masque à gaz et tout. Ouais. Il y a un hôpital en haut à gauche de la carte. On envoie Mary Jane? Mais c'est vrai les gars, il y a vraiment un hôpital là? Mary Jane, vous perdrez rien car si elle meurt, ça vous évitera de la soigner. Allez, on envoie Mary Jane, je suis d'accord. Avec la carte? Non. Si la carte. Le chat il dit carte. Viens, on l'envoie avec la carte. Vas-y. Vas-y, de toute façon, apparemment, faut faire tout l'inverse de ce que je dis donc. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. J'avoue que là, si ça se trouve, on a pris un vieux risque inutile, je m'en rends pas compte. C'est de la folie, il y a des araignées partout, absolument partout. Oh, il y a des araignées. Elles patouchent dans notre soupe, elles prennent des bains dans notre eau, elles ne cessent pas de revenir. Bon, ok, il faut arrêter les araignées. Le livre de scout ou l'insecticide? Bon, l'insecticide. Appelle un Uber. Les gars, c'est la technique d'Elsa pour tuer les araignées. Voilà, les araignées. Elsa, quand elle a les araignées chez elle, elle appelle des Uber. Bon, allez, insecticide. Ok. Oh, le petit chat. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et mais attends. Mais Ted, il est allergique. Tu t'es vraiment repris parce que... Oh, on a trouvé une bouteille d'eau. S'il y a bien une chose qui peut nous débarrasser de ces arachnides, c'est l'insecticide. Arachnides. À notre grande surprise, nous avons trouvé Charikov. Encore quelques heures à tout sauter, on s'y habituera. Les hélices de notre ventilation ont arrêté de tourner et l'air ne rentre plus à l'intérieur de l'abri. Oh, ça, faut faire gaffe, ils peuvent tous devenir malades. Ah ouais? Ouais. Moi, je dirais le livre de scout. Ok, prends la lampe torche. Non, moi, je dirais le livre de scout. Faut pas l'écouter, les gars. Parce que le livre de scout, il fait... Ah, mais pourquoi la ça lampe torche. Bah voilà, personne n'est malade. La première chose à faire lorsque des hélices sont bloquées, c'est de regarder ce qui les entrave. Mais braquer une lampe torche sur un nid d'insectes mutants est une erreur. J'avais raison. Toujours plus. J'ai pas fait l'extrait. Non mais ça va. T'es pas une drama queen toi. Ah, tu me relèves. Vrai drama queen. Attends, mais t'es gentleman. Je crois pas. Je te jure, c'est... J'ai pas fait exprès. Mon tabouret il est tombé. Le nid a disparu, mais les insectes nous ont laissé de belles regarde, piqûres. Regarde Timmy, il est piqué. Oh non, merde. Il faut fait chier, j'ai pris la pire décision. J'avais raison. Oh, Mary Jane.
Jane! Mary Jane est en vie! Et la carte est en vie aussi? Et la carte est en vie. Par contre, elle est toujours malade et elle a pas ramené de titre. Elle a rien ramené, elle a ramené quoi? Donc l'hôpital merdique. Ok, on a récupéré la carte. Ok. Quelques ressources supplémentaires. Ils ont rien trouvé. Mais Mary-Jane, mais nique ta race. Mary-Jane, elle est partie pour rien. Elle a rien ramené. Ça aurait pu devenir une mutante. On s'est rendu compte que quelqu'un nous suivait. Là, ça commence à être un peu relou parce que même si on a plein de provisions, ils sont malades. On envoie Dolores en expédition. Ouais, Dolores, moi je suis chaud, on envoie Dolores. En vrai, on peut envoyer tout le monde. Moi, je pense que le mieux, les gars, c'est envoyer Ted avec une arme. Ted, ramène-nous un kit. S'il te plaît, Ted. Oh, l'armée a transmis un autre message. Il demande à un représentant de chaque groupe de survivants de se réunir à un point de rendez-vous à côté d'ici. On dirait qu'ils veulent organiser des interrogatoires avant l'évacuation. Pas de Dolores, on n'envoie pas Dolores. Ouais, non, j'avoue que Dolores c'était un peu trop risqué. Ok, on envoie Timmy. Vas-y, vas-y, on envoie. Ok, on envoie Timmy, on envoie Timmy. On est allé au point de rendez-vous, un soldat a l'air sérieux, nous a posé quelques questions, a pris des notes, nous a dit qu'il reviendrait vers nous. Mais donc Timmy, il est censé être venu. Bah oui, Timmy, il est où? Derrière lui, il a laissé un mot traitant ses parents d'irresponsables et leur promettant de monter une armée de créatures radioactives pour se venger. C'est Timmy qui va nous buter. Imagine, Timmy revient et nous bute parce qu'on l'a pas soigné. Putain, on avait tellement bien commencé, mais après, ce jeu est trop dur. Oh merde, c'est le début des emmerdes, Elsa. Une bande de pierres est à notre porte. Putain, c'est Timmy. Soit on ouvre, soit on les repousse. Bah, flingue, hein. Flingue, mille fois. Ok, on a toujours flingue et Ted. Il est malade. Mais attends, mais là c'est insecticide. Oh, mais attends, mais là c'est une masterclass. On a réussi à repousser les pillards. Ted est bien rentré. Alors là, Ted. Mais Ted, c'est un monstre. Il a ramené une bouteille, une soupe et une bouteille d'eau. L'insecticide. Ah, il a niqué la hache. Ça, c'est relou pour les pillards du coup. Mais on a toujours le flingue et l'ocarine, l'harmonica. Ouais, l'harmonica, j'avoue. Bon. Ah, il est plus malade. Par contre, tu vois, il s'est guéri parce qu'il a mangé, je pense, hein. En tu vrai. Crois? Je pense qu'il y a moyen. Hein. Il s'est pas soigné avec l'expédition. Attends, j'avoue. Comment il s'est soigné, on sait même pas. Peut-être c'est l'air de dehors. Ouh là là. Un dispositif high-tech à base de gobelets en papier et de bouts de ficelle. Les agents nous ont passé un coup de fil pour nous parler de notre prochaine mission top secret qui... Ouh là là là. Mais après, est-ce qu'on a besoin de changer de bunker, qui nous vraiment permettra d'atterrir dans un bunker VIP très prochainement. Ils veulent qu'on parte en expédition et que l'on note tout ce que nous voyons dans le journal. Au pire, on envoie à Mary-Jane. Ouais, si on envoie quelqu'un, c'est Mary-Jane 100%. Oui, ça c'est sûr. Vas-y, on envoie au pire. En vrai, elle va mourir demain. Mary-Jane, elle va crever, de toute façon. Frère, ça fait 20 jours, elle est malade, ça y est. Le couple. C'est nous deux, en fait. En fait, c'est nous deux. On attèche les enfants. T'as la même barbe que Ted, en plus, ça marche. Tu trouves? Ça me fait plaisir. J'ai une grosse beba. C'est pas un compliment. Arrête-toi. Mary-Jane est sortie, pourvu qu'elle en ait vite. Nous avons gentiment décidé d'accéder à leur demande, ok. En examinant la carte, on a vu que quelqu'un y avait gribouillé une croix. Ah bah c'est moi, c'est l'hôpital. Le lieu en question n'est pas si loin d'ici, on se demande qu'est-ce qu'il peut bien y avoir. On envoie Dolores. Au moins elle sort un petit peu. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Elle est jamais sortie. Elle est de retour. Elle est de retour. Par contre, on n'a pas de titre. Ces indications étaient le fruit d'une imagination débordante. Ou bien une mauvaise blague. Le chat. Pourquoi vous nous avez dit qu'il y avait l'hôpital en haut à gauche? Il y avait rien, les gars. Mets-le au nord, l'hôpital. Mets-le juste en haut. Là? Ouais, mets-le là. Oh putain, qu'est-ce que c'est? On dirait un bourdonnement, mais c'est de plus en plus fort. Pourquoi les murs se mettent-ils à trembler? Oh non, c'est un séisme. Attraper quelque chose pour éviter la casse. Mais même pas, on hésite. Fait chier, j'espère la lampe, elle a rien. Oh putain, la lampe, elle est cassée. Lampe torche abîmée, masque à gaz abîmée. Fait chier, mais gros, prendre un séisme, jour 52. Oh non, alerte, quelqu'un essaye d'entrer, on dirait qu'il n'est pas seul, il faut se préparer à toute éventualité. Flingue? Flingue ou harmonica? Flingue. Flingue? L'harmonica, je te jure que la dernière fois que je l'ai utilisé, ça a repoussé les ennemis. Au moins, on garde le flingue. Vas-y. Par contre, si ça passe pas, on est mort. Ok, Mary-Jane est là! Bon, on est toujours malade, putain, fais chier! Ils ont baissé les armes et versé quelques larmes, surpris par la beauté de notre musique. C'est pas bon. Bravo, Ted. On frappe à la porte. Ils frappent tellement fort qu'on n'arrive pas à entendre ce qu'ils racontent. Ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise. Est-ce qu'on ouvre la porte? C'est pas des pillards. Quand c'est des pillards, ils nous disent de prendre une arme. Après, ça peut être un voleur. Ça peut être un voleur ou ça peut être juste, on va se faire niquer, on va se faire exploser, quoi. Oui, avec Mais là, Elsa, on attend l'armée depuis trop longtemps. Ouais, j'avoue, on attend l'armée. Il y a moyen que c'est l'armée, hein. Allez, vas-y, on essaye. J'avoue, j'ai peur. Putain! Attends, c'est peut-être l'armée. C'est quoi? C'est l'armée, non? Attends, c'est gagné, ça, ou pas? Enfin, on a attendu ce moment si longtemps. Il n'y a pas de mots pour décrire le... On est enfin ça et stop! On a gagné! On a gagné? Elsa, on a gagné! On a gagné! Me pousse pas, qu'elle... C'est l'armée! Mais j'en avais ta mère! L'émotion ressentie en voyant des soldats entrer dans notre petit abri. On est enfin sains et saufs! On a survécu 56 jours. Vous avez survécu! Ouais. Let's go! C'est la première fois de ma vie que je gagne! Hey, t'es trop forte. Avec toi, j'ai eu Draco Flu Shiny. Avec toi, j'ai fait ma première fois sur 60 secondes. Incroyable.